Konnichiwa tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour le premier test inaugurant le reboot de la chaîne. Vous aurez sûrement remarqué la petite introduction au début de la vidéo. Eh bien sachez que ce sera à présent la marque de fabrique pour les prochains tests qui auront tous droit à leur petite intro dédiée. Mais trêve de bavardage, on commence tout de suite les tests nouvelle formule par Prey. Mais attention, pas celui de 2006, mais celui de 2017, disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Le jeu nous plonge dans la peau de Morgan Yu, homme ou femme selon votre choix au début de l'aventure, qui se retrouve complètement amnésique sur une station spatiale envahie par des êtres hostiles. Bon, passé le cliché complètement éculé, je dis bien éculé, hein, de l'amnésie, on se rend vite compte que l'on se trouve face à une uchronie dans laquelle le président Kennedy s'est fait centenaire et où l'homme a construit Talos One, une immense station spatiale en orbite autour de la Lune. Je ne vous en dirai pas plus au sujet du scénario pour ne pas vous spoiler et vous préserver le plaisir de la découverte. Mais rien qu'avec ces quelques petits éléments de scénario, vous vous doutez sûrement déjà que l'ambiance de Prey est une de ses qualités majeures. Le fait que l'histoire ne vous soit révélée qu'à petite touche et que vous vous retrouviez tout seul dans cette grande station envahie par des aliens nous donne une sensation de stress presque palpable. Le level design est tout simplement excellent et notre exploration de la station et tous ses secrets ne sera pas sans rappeler un petit côté Metroidvania avec une progression qui se fera en fonction de votre façon de jouer. Le jeu vous pousse d'ailleurs à faire preuve d'inventivité et d'ingéniosité pour accéder à des endroits de première vue inaccessibles. Mais attention, au détour d'un couloir, vous pourriez tomber sur un alien qui n'attend que ça pour vous tomber dessus. Parfois, littéralement. Et dans le Prey d'Arkane Studio, chaque mauvaise rencontre peut être la dernière. En effet, Morgan est assez fragile, et il ne faudra que quelques coups aux méchants mimiques ou fantômes pour vous envoyer directement à la morgue. Quand on sait en plus que les trousses de soins et les munitions sont distribuées au compte-gouttes par le jeu, on comprend vite que le bourrinage n'est pas vraiment la meilleure des solutions. Encore une fois, l'exploitation de l'environnement vous procurera un avantage certain. L'arbre de talent du jeu vous permet d'ailleurs d'acquérir des compétences actives ou passives, fort utiles, et même d'acquérir certaines capacités des typhons, ces aliens si méchants. Vous pouvez par exemple vous transférer à l'intérieur d'un objet, ce qui vous ouvre une multitude de nouvelles possibilités en termes de progression, en plus d'être franchement marrant en fonction de l'objet possédé. L'autre partie RPG du titre repose sur son système d'artisanat poussé. Vous pouvez en effet balancer tous vos objets inutiles dans un recycleur qui les transforme alors en matière première. Vous pouvez ensuite utiliser celle-ci pour fabriquer armes, munitions, etc. grâce à des plans trouvés lors de votre exploration. De quoi améliorer votre espérance de vie ou tout au moins votre confort immédiat. Pour finir, parlons brièvement de la durée de vie de Prey. Eh bien sachez que le temps estimé pour voir les crédits de fin défiler devant vos yeux ensanglantés sera d'environ 15 heures. Mais cela dépendra de votre façon de jouer. Si vous êtes très minutieux et que vous effectuez toutes les quêtes annexes, le compteur grimpera de quelques heures supplémentaires. Notez au passage que comme pour la série Dishonored, Prey vous propose plusieurs fins différentes en fonction de vos choix, de quoi encore gonfler la durée de vie pour les complétionnistes. En conclusion, ce vrai faux reboot de Prey confirme le talent d'Arkane en matière de FPS RPG. En dépit de quelques défauts comme une technique peu folichonne, quelques bugs et un ressenti avec les armes un peu spéciales, le jeu arrive à proposer une ambiance très réussie et se veut terriblement intelligent dans son approche. Loin d'un FPS décérébré et bourré, on se trouve face de titres qui invitent le joueur à réfléchir et à ne pas foncer dans le tas, sous peine de punition immédiate. Pour le coup, ça implique que Prey ne s'adresse pas forcément à tous les joueurs, mais si vous êtes un amateur de System Shock, Bioshock ou Dishonored, vous pouvez tenter l'aventure sans problème. Voilà, c'est fini pour ce premier test nouvelle formule. J'espère que ça vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous invite aussi à jeter un œil à la critique du film Yakuza dans le premier Game In Movies, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Sayonara!